Nous sommes venus à la 21e édition de la FISA, qui est un de nos partenaires depuis 2 ans aujourd'hui, que nous nous sommes connus et que nous travaillons ensemble. Cette 21e édition, comme convenu, qui est un levier pour la lutte contre la sécurité et pour garantir une sécurité alimentaire en Afrique, nous a permis aujourd'hui de venir consolider nos rapports avec la FISA, ce qui permet au Niger de profiter de cette organisation pour pouvoir tirer son secteur avicole de l'avant. Parce que aujourd'hui, l'expérience de la FISA et également le niveau auquel se trouve la FISA aujourd'hui, c'est-à-dire ne peut que être profitable au secteur avicole nigérien qui, à mon sens, est en train de croître actuellement, mais qui a besoin de beaucoup de technologies. Donc c'est en sens que des échanges ont été consolidés entre nos deux structures, nos deux organisations, pour voir dans quelle mesure ces deux filières vont travailler ensemble d'arrache-pied pour pouvoir soutenir la croissance et le développement de la filière avicole dans nos deux pays respectifs. On a été bien reçus, on a fait des découvertes, on a essayé, on a eu des contacts. J'espère que dans l'avenir, on va mettre ça en valeur et que des trucs concrets vont sortir de cette rencontre. Et je profite de l'occasion pour remercier le FISA de l'effort qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'intégration africaine, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Et je pense qu'on est dans le sur le bon chemin. Voilà. Donc, c'est bon comme ça.